Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liala, comment allez-vous? Moi je vais super bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la suite de notre let's play consacré à Dragon Ball Z Tenkaichi Tagiti Muda. Et on se retrouve pour l'épisode 33 dans les histoires bonus, hein, on va continuer, on est en mode détente totale, on a fini l'histoire principale et là on va essayer, comme vous pouvez le voir ici, de récupérer toutes les étoiles qu'on peut trouver dans le jeu pour le plaisir, pour l'envie et pour la passion. Donc c'est parti à la recherche des 7 boules de cristal. Normalement ici, on doit jouer soit avec Zabon-sama ou Dodoria-sama. Alors sachez-le ou pas, on m'a dit ça sur Twitter, un des abonnés m'a dit que Dodoria-sama était une fille. T'es une femme. La race de Doria, c'était des femmes. Bon, en fait, on va quitter tout ça, parce que, hop, ça, on a déjà vu. On va pas se refaire à chaque fois les résumés. Bon, là, c'est Kiwi qui se ramène. Non, c'est le commando Ginyu, ok. C'est le commando Ginyu, c'était avant Kiwi. Donc là, normalement, voilà. Ok, on va prendre... On va prendre Dodoria. Ou Zabon. Zabon, ça va. On va prendre Dodoria. On va prendre Dodoria, après on reprendra Zabon. Ceci n'est pas l'histoire originale de Dragon Ball Z, mais un scénario alternatif. Commencer, vaincre Guldeux et Rukum. Ok. Vaincre Guldeux et Rukum. Donc on va aller directement, de toute façon on n'a pas le choix. On va récupérer Dodoria. On va voir ce que ça va donner. Ah oui, on va les équiper. Personnaliser, tac. Type de capacité. Donc on va juste lui mettre attaque plus 2. Bam. Et on va lui mettre technique d'équipe. Attaque combinée. Paf. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'on puisse lui mettre? Non, pas du tout. Alors je me suis pas amusé à aller acheter les potas là, tout ça. Bon, ça c'est... Mais déjà qu'on gagne quasiment rien en tant que... En tant que... Comment dire? En tant que... Ah, je vais mettre ça. Attaque combinée, paf. Ok, c'est bon. Alors, on va se taper. Au moins, ça devrait le faire. Mais ça alors, Zabon et Dodoria, ce bon vieux Bidget n'était pas censé vous avoir tué? C'est ce qui était dit. Malheureusement pour toi, nous sommes toujours vivants, mais Vegeta nous a bien vaincus. Et notre valeur a sans doute chuté aux yeux de Seigneur Frieza, Frieza-sama. Oh, ne vous en faites pas, vous n'avez jamais valu grand-chose. Mais tout de même, vous ne pouvez plus aller voir Frieza maintenant, pas vrai? Vous avez dû prendre tout... Vous avez dû perdre toute raison de vivre, non? Tu n'as pas tort. Nous ne pouvons pas nous présenter à Frieza-sama comme ça. C'est pourquoi nous avons trouvé un moyen de redorer notre blason rapidement. Nous allons vaincre Vegeta à la place du commando Ginyu. Et remettre les boules de cristal... De cristal à Frieza-sama. Nani! Qu'est-ce que vous racontez? Autrement dit, vous êtes sur notre chemin. Ouf! Et donc, vous voulez vous battre contre nous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Préparez-vous à mourir. Je sais même plus quelle voix je fais. Je suis perdu dans mon doublage. Vu que c'est... Voilà, c'est de l'impro, les gars. C'est de l'impro, on arrive. On improvise les voix. Et c'est parti. Oh, Guldeux. Guldeux. Mon gars, tu vas prendre cher. Oh Guldeux-sama. Elle est lente, Doria. Ouais, elle est lente. Ce sont des femmes. La race de Doria.
Chouko, je sais pas quoi. Rikum. Rikum, il est chaud. Hein. Rikum, il est chaud. On va attaquer dans le dos. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bruce Crane? Pourquoi il allait aussi haut? Et il prend cher notre ami. Le crapaud là. Il se fait plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Oh, on le laisse faire. On le laisse faire. Allez, Rambé. Ah, dommage qu'on gagne pas. Ça aurait été énorme de gagner. Le score qu'on fait dans le game. Gagner ce score en fait. En tant que point Z. Et comment ces imbéciles ont-ils pu nous battre? Voilà pour toi. Et maintenant c'est à toi, à moins que tu n'acceptes gentiment de quitter cette planète. Et tu as entendu ça, Martin? Cet imbécile a perdu la tête. Juste parce qu'ils ont profité d'un petit coup de chance et d'une légère baisse d'attention des deux autres. Oui, c'était forcément un coup de chance. Nous sommes le commandant Guignou et nos pouvoirs restent inégalés. Nous allons te montrer ce que ça veut dire. Allez, viens. Guignou Tensai. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Ah, j'ai tellement hâte de tester le Kakarot là. J'ai tellement hâte d'y jouer. Alors j'ai toujours pas prévu qu'est-ce qu'on allait faire comme let's play après celui-là. Peut-être une petite pause, je vais jouer un autre. Je vais un autre jeu, je sais pas. Faut que je me ressource aussi les gars. Et j'ai enchaîné. J'ai enchaîné deux jeux Dragon Ball, le Saga, et celui-là. Ok, non, en plus, hein, parce que j'ai fait le Shin Budokai 2. C'est terrible. Ah, à chaque fois, j'arrive pas, hein. Ça te demande trop. Hein. Oula, oh vache, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais c'est juste, ah ouais, juste ils font tout droit en fait, y a pas d'enchaînement derrière. Okay. Oh. Ah c'est quoi son attaque ultime? Tutoria. Je ne vais pas refaire l'émission avec Zabon, hein. Ça je prends off. Sinon, on va refaire le même combat, le même discours et tout. Et c'est pas... Je pense pas que ce soit top à ce niveau-là. Explosion maximale. Ouh, pas mal du tout, tiens. On dirait les... l'attaque de feu de... De l'autre cinglé, là. Comment il s'appelle? Pakwan. Barrière de feu. Impossible, je suis Martin, l'être le plus rapide de l'univers. Le deuxième plus rapide, tu veux dire gig. Mais bon sang, comment tu peux venir à bout du magma rouge du commando Guignou? Voilà une bonne chose de faite. Nous reprendrons bientôt notre place. Très bien, allons-nous-en, Doria. Doria. Et Guignou est le seul membre restant du commando Guignou. Entendu, au fait, elle me plaît bien ta nouvelle forme. Je me sens plus proche de toi d'un coup. Mon silence. Oh les dialogues. Dorian, c'est toi? Et qui est cette hideuse créature à tes côtés? Ces arbres. Oh, on m'avait dit que tu étais un alien qui se transformait comme Freeze. C'est donc à quoi ça, ce que ça ressemble? Je croyais que Vegeta t'avait tué. Qu'est-ce que tu me veux? Comment dire, nous sommes vraiment désolés, mais nous allons devoir te tuer.
C'est le seul moyen de reprendre notre place. Maintenant, remets-nous les boules de cristal. Je vois, c'est donc ça. Vous êtes bien inconscient. Quand j'en aurai fini avec vous, vous regretterez de ne pas avoir péri des mains de la main de Bijita. Ginyu. Un homme classe. Une créature incomprise. Un homme laid. Oula. Ah, j'ai pas récupéré de point de vie, d'accord. On va faire le dingue. Une petite croix patelasse là. Attaque duo, ça fait hyper mal. T'inquiète, on arrive. Maintenant. Oula, 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 là, 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 je suis resté devant comme un noob. Noob Saibot. Tiens, tu vas prendre ça. Explosion maximale dans les dents. C'est terminé. La puissance de Dodoria. Rendez. Bon, c'est pas grave. C'est déjà ça, on va dire. Hein. C'est déjà ça à ce niveau-là. En tout cas, je tiens. Impossible! Impossible! Je suis le puissant Ginyu! Nous avons réussi. Nous sommes venus à bout du grand commando Ginyu. Frieza-sama va reconnaître notre puissance. C'est bien la preuve que Frieza-sama n'a pas besoin du commando Ginyu, juste de nous. Ne nous emballons pas, Vegeta court toujours. C'est vrai, va vite le vaincre pendant que tu as encore toutes tes capacités. Pourquoi je devrais y aller seul? Ne me dis pas que tu as peur de Vegeta simplement parce qu'il t'a battu une fois. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as l'air d'avoir peur de lui, à t'entendre parler. N'importe quoi, qui aurait peur de cet imbécile? Zabon et Dodoria ont écrasé le commando Ginyu avec brio, et pourtant ils semblent hésitants à l'idée de défier Vegeta. Manifestement, leur récente défaite face à Vegeta a été une expérience traumatisante. Ah, Vegeta! Ah, Vegeta! Désolé! Comme vous pouvez le constater... Ah, ok. Ça se termine comme ça, donc hop, on a réussi. Ah, survécu. Ah, bah ça. Ah, ok, ça utilise les deux. Ok, d'accord, on n'a pas besoin de refaire. Ça valide pour les deux en fait. Ah, ça c'est cool ça. Franchement, c'est sympa. Le jeu était très gentil avec nous. Donc, je vais dire, ouais, je voulais vous remercier parce que c'est super sympa. Voilà, les petits pouces bleus et tout, les petits commentaires. Voilà, ça me fait plaisir, franchement. Vous savez, toujours là, regardez toujours la même chose. A survécu au combat en utilisant Badakusama, c'est parti. On enchaîne. Et merci à vous, c'est sympa, c'est cool. Prendre Badak. On approche petit à petit, mais sûrement, à mon but ultime, à savoir mettre tous les jeux Dragon Ball sur ma chaîne. Et ensuite, c'est terminé, les gars. Passe à autre chose. J'ouvre un peu d'eau. Hein. Passe à autre chose. Donc, on enlève ça, parce qu'on connaît déjà. Ah, peut-être pas. Parce que là, on a commencé directement avec Badakusama. Et donc, ouais, non. Ah là là, j'ai pris fou. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? On n'a pas le temps, mec. Nous, on va se taper directement contre l'empereur de l'univers, là. La galaxie. Je ne trouve pas le poids, quoi. Parle un peu trop vite. Oh la vache, c'est pris un... J'adore le bruit que ça fait. Boum. Il y a un petit slow motion. Le mec, il est bloqué dans sa douleur pendant quelques secondes. Nani. Voilà, on y va, paf. Non, je pense que ça devait être le même discours. Tu es Frieza, c'est bien toi, c'est bien ça. J'avais dans l'idée que tu étais moi, mon lasson. Ouf. Je croyais en avoir fini, mais voilà encore un autre CN. Non, deux autres. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. Frieza, c'est toi, tu me parais plus petit qu'avant.
Tu me dis quelque chose? Mais oui, tu es le CN qui m'a tenu tête jusqu'au bout quand j'ai détruit la planète Budget. Mais comment? Tu n'aurais jamais dû survivre. Je suis venu spécialement de l'enfer pour te voir. Ridicule. Karoto, allons-y et ne te mets pas sur mon chemin. Je ne m'appelle pas Karoto, je m'appelle Sangokuda. Karoto, Sangoku. Karoto. Cachalot. Laissez partir. Oh, il veut se taper directement contre moi. Moi, je pensais que j'avais esquivé, mais... Je vais me jouer la téléport. Ouh! Ça fait mal. Oh, il est stylé, Badak. Badak, il est stylé. J'aime bien comment il se bat. J'aime bien sa tenue. Mec, il est classe. Enfin, rien à voir avec son fils, là. Je rigole. Non, mais Badak, il est classe. En vrai, sa tenue... Vous avez vu quand il commence à sprinter là. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Mais je cherchais comment on faisait son attaque ultime, j'ai oublié. Ah mais c'est flèche du haut je crois. Oh je sais plus. Ah mec j'ai un... J'ai des trous de mémoire comme ça. La vieillesse, les enfants. La vieillesse, on vieillit, on oublie. C'est dur. C'est dur de vieillir. Karoto, tu as réussi. C'est grâce à toi, merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux venir avec moi? Si nous prenons le vaisseau dans lequel je suis venu, nous pouvons regagner la Terre en 5 jours. Non, merci. Ils vont venir de l'enfer pour me chercher d'ici peu. Goku, désolé de t'interrompre, mais qui est-ce? On dirait mon père. Lui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne lui ai jamais demandé son nom. Je m'appelle Badak, de la tribu des guerriers Saiyan. Saiyan? Alors peut-être que tu es le frère jumeau de Goku? Hein? C'est vrai? Nous ne sommes pas frères, mais vous n'êtes pas loin. Pas loin? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Je... Je me suis senti menacé pendant un moment, tu as failli me tuer. Fichez le camp, vite! Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'allons pas partir maintenant. Il a raison, Goku. Vite, vous me gênez, vous voulez qu'on meure tous. Tu crois que je... tu crois que je vais... Vous allez... Voilà. J'ai plus de voix. Tu crois que je vais vous laisser faire? Tous les cafards doivent périr. Je serai peut-être blessé, mais ça n'empêchera pas de vous achever les uns après les autres. Yamero Frieza! Krillin? Goku! Who's next, the little brat? You won't get away with this! You're the son? You're Sanzu! Frieza! What? Karoto, qu'est-ce qui t'arrive? Gohan, Badak, retournez sur la Terre immédiatement. Fichez le camp pendant que je suis encore capable de me contrôler. C'est quoi ce changement? Les siennes ne sont pas censées se changer qu'en singe. Mais qu'est-ce que... Gohan, Badak, dépêchez-vous. Ne vous en faites pas pour moi, je reviendrai sur Terre plus tard. Mais comment? Arrête de répondre et écoute ton père. Hein? Mais... Va-t'en, allez. D'accord. Je t'attendrai, papa. J'attendrai ton revoir heureux. Ton revoir heureux. Badak, toi aussi!
Hey, arrête un peu, je compte bien être là pour le bouquet final. Comme tu le sens. Me voilà. Me voilà. Promotion. Promotion. Oh la vache, cet enfoiré de Bob l'éponge. Me voilà. Promotion. C'est terrible, Bob l'éponge. Vous avez vu avec quoi que j'ai grandi? On se bat avec Sangoku, Supa, et Agenda. C'est terrible. Ouais, le Freezer là, il est vénère. Bon, on va laisser les Goku. Je dire, on va laisser Goku faire le taf. Sauvagerie. Sauvage. Mais qui pète un câble. Ouais, on en détente. Laisse-moi. Laisse-moi, je suis en détente. Plus rien à prouver. Ah, trop tard. Oh non! What? Fait dégommer par le fiston, il a rien capté. What? Nani? Cette classe qu'est la Badak. I'd rather die by my own hand than be killed by the likes of you. As you wish. As you wish. I can survive even in the void of space. But can a Saiyan? I don't think so. Et dans 5 minutes, une explosion va réduire en Namek en cendres. 5 minutes, ça devrait suffire. Je vais te vaincre, m'échapper, retourner sur Terre avec mes amis à bord de mon vaisseau. Bien dit, Karoto, tu es fini, Frieza. Le moment est venu de montrer ma vraie puissance. Tu ne peux pas me vaincre, prépare-toi à mourir! Soki n'arrête pas d'augmenter, tu vas enfin te battre à 100% de ta force! Ouais, on dirait, cette occasion ne se présentera plus, j'ai plus à faire les voix. J'ai mal à la gorge, c'est chaud. Nous allons voir la plus grande force de l'univers! Ouais, un combat contre Frieza à pleine puissance, et qui se soldera par ma victoire! Ah vache, j'ai plus de voix les gars. Ah c'est chaud. C'est dur hein, doublage professionnel... Il faut entretenir sa voix. Je pourrais plus chanter. Hein. Oh, pourquoi tu me chopes moi? Ah, mec, abuse pas non plus. C'est moi le plus dangereux sur. Step et tout pour éviter mon attaque. Ça fait mal là, il fait mal. Ouh, il fait mal. Vas-y, fiston, t'as plus. Activer sauvagerie. Je ne te laisserai pas fuir, Frieza! Il est où? Voilà, tiens! Dans la bouche! Un petit canon spirituel! Karoto, tu as réussi! Tu as exaucé mon souhait, tu as vengé les Saiyans de la planète Vegeta! Je n'ai plus aucun regret, je peux maintenant retourner en enfer! Badak, saurais-tu? Au revoir, mon fils! Hein? Nani? Nani? Badak, tu es mon. Goku a révélé la puissance du Super Saiyan et est venu à bout du Seigneur intergalactique Frieza.
Bada, quant à lui, est retourné en enfer, la tête remplie des exploits héroïques de son fils. Et enfin, Goku s'est rendu compte que l'homme qui s'était battu à ses côtés n'était autre que son vrai père. Dansa! Le réveil de C-17 et C-18. Ok, ensuite il y a quoi? Un, deux, trois. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que j'ai mal à la gorge et tout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, encore une fois. Et moi, je vous dis salut les amis et à très bientôt.